있죠. Merci, Monsieur le Président. J'en viens à un autre document présenté par l'accusation ou là encore l'interprétation de dire qu'on veut s'attaquer aux combattants et aux non-combattants ne correspond pas à ce qui est inscrit au sein du document. Il s'agit des instructions du bureau 870 en date du 3 janvier 1978, document E3-7-4-1, l'analyse de l'interprétation de M. Procureur reste très personnelle. En tout cas, lorsqu'on lit le document, on voit bien qu'il y a plusieurs points qui sont abordés. Les trois points sont les suivants. Point 1, en toutes les langues, frapper les ennemis militairement. Point 2, frapper les ennemis politiquement, éliminer l'espionnage d'affiliation et les différentes guerres psychologiques. Et point 3, couper les vivres aux ennemis et couper l'économie des ennemis. Et pour bien comprendre que l'on parle bien de l'ennemi militaire vietnamien, sous le paragraphe 3 dans toutes les langues, voilà ce qui est indiqué au deuxième paragraphe, sous-paragraphe de ce paragraphe 3. Afin de réussir à couper net les vivres aux ennemis et de façon permanente, il n'y a qu'une solution, celle de faire la guérilla partout, à tous les endroits, à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre des ennemis, comme cela fut mentionné dans le point relatif à la guérilla plus haut. Donc on fait référence à une autre partie du document, on parle bien de guérilla et de méthode de combat contre l'armée vietnamienne. Si on faisait une guérilla de façon énergique partout, les ennemis n'auraient jamais le temps de piller notre paddy, ils n'auraient jamais de vivre, ce qui les mettrait en difficulté, ce qui les épuiserait et ce qui les affaiblirait de plus en plus. Fin de citation. Là encore, nous avons bien la preuve que l'on parle d'ennemis militaires, et d'ailleurs le point 4 continue en disant qu'il faut couper les voies de transport des ennemis. Donc je ne vois pas comment l'accusation vient nous expliquer qu'à ce moment-là, on n'est pas en train de parler d'ennemis militaires. Un certain nombre de documents ont été cités et exposés, notamment le contenu de confession qui ont été exploités à l'audience. Là, c'est le document E3-1249 et également des listes S21-E3-342. En dehors du fait que nous allons examiner certainement de façon plus approfondie ce type de document sur le segment relatif au centre de sécurité. Je dois indiquer que du côté de la défense, que malgré votre décision sur les déclarations obtenues sous la torture, nous maintenons qu'il y a eu de votre part une mauvaise analyse de ce qu'était la convention respectée de l'infection. Entre parenthèses, nous attendons avec impatience l'opinion dissidente de Mme la juge Fens à ce sujet. Mais comme vous avez rendu cette décision et que cette décision n'est pas susceptible d'appel dans votre procès, je tenais simplement à dire de façon générale que nous maintenons que nous avons une mauvaise interprétation de ce texte par la juge. D'autres documents que je vais citer qui correspondent encore une fois à un vocabulaire de guerre et qui ne saurait être interprété comme des indications disant que vous voulez s'attaquer différemment aux civils et aux combattants. Vous verrez en analysant directement ces documents, mais je vous renvoie à leur numéro E3-9-3-7-4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 
magazine Jeunesse Révolutionnaire, où on parle bien de la situation des ennemis en parlant d'envahisseurs par rapport aux problèmes frontaliers. Et également document E3-833, encore c'est incarné AS21, mais on voit bien qu'on parle bien de conflits militaires, puisque même dans l'extrait qui a été cité par les procureurs à l'URN 0008-4-6-07 en anglais et 0007-7-8-9-4 en khmer. On voit bien qu'on parle de victoires contre les Younes qui ont attaqué le territoire. Et là, on parle bien de régiments et de divisions. Pour montrer qu'on est bien sur une discussion militaire. Document partiellement utilisé par l'accusation, document E3928, qui est un rapport du commandant Mimout, où nous explique le début de cette communication téléphonique secrète du 1er avril 1978, en disant que c'est bien la preuve qu'il y avait des Vietnamiens tués et arrêtés, sauf qu'il y a une phrase qui suit celle qui a été citée par c'est l'URN français 00611-8, alors je ne sais plus si c'est Khmer ou anglais, 00183357, et le Khmer 00017026. D'embarcation avec du matériel militaire. Du discours de Pol Pot, là, je ne vais pas rentrer dans l'intégralité du discours, est long, mais quand même, lorsqu'on est en train de nous expliquer que ce discours, on est en train d'évoquer la population civile et la population en dehors des combattants, on est complètement dans une interprétation tout à fait personnelle de la part de l'accusation, parce que quand même, c'est un discours de guerre, on est en train de parler comme pour le document que je citais préalablement sur les directives de 870, guerre de guérilla, on est en train de parler des techniques de guerre pour pouvoir mener les combats. Et surtout, je renvoie également au témoignage de Prom Sarat qui s'est souvenu ce discours et c'était à l'audience du 26 janvier dernier. Document 1-3-8-2-1. C'était un petit peu après 15h38 et 48 secondes. Et il dit non, c'était un discours qui cherchait à inspirer les soldats cambodgiens à préparer les lignes d'attaque et saisir la victoire. Fin de citation. C'est comme ça que Prom Sarat, qui était soldat, l'a compris. Et effectivement, lorsqu'on veut avoir une lecture qui n'est pas biaisée, ce discours, on voit bien que c'est un discours qui a l'attention des forces armées et qui parle des combats militaires. Un autre document intéressant est le document E3. C'est un rapport de Nîmes qui décrit la situation à la frontière thaï, donc à mettre en relation avec les documents que je citais mercredi sur les activités qu'il y avait à la frontière thaï, et la date du document est intéressante, 17 mai 78, là encore on parle de l'escalade des difficultés, mais il faut se souvenir que si dans ce document, Nîmes, et c'est ce qui ressort du passage qui a été lu par l'accusation,
ce qu'il convient de faire avec des Khmer qui seraient mariés avec des Vietnamiennes. Ça veut bien dire qu'en 78, en tout cas en mai 78, ce qu'il convient de faire, en précisant bien d'ailleurs, et là c'est le RN en français, 00-6-2-3-4-0-9, et le RN en anglais, 00-3-2-1-9-6-2. Il précise, et c'est très utile, mai 78. Cependant, ils n'ont pas encore mené d'activité d'opposition contre nous. Ils parlent de groupe mixte et ils précisent qu'il n'y a pas eu d'activité d'opposition contre nous en disant qu'ils demandent à savoir ce qu'ils souhaitent. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est vietnamien qu'on est systématiquement tué, cela veut dire aussi que s'il y avait une politique extrêmement définie d'exterminer tous les Vietnamiens sur le territoire, on peut dire depuis même 77, on ne comprend pas comment en mai 78 la question se posera encore. Et on ne comprend pas non plus pourquoi il était nécessaire d'indiquer qu'il n'y avait pas d'activité d'opposition. Cela renvoie à la position de la défense qui est de dire qu'on ne vise pas le Vietnamien parce qu'ils sont vietnamiens, on est en train de parler de façon générale, quand il y a des arrestations, on parle de gens qui s'opposent à la politique, de gens qui s'opposent aux directives, que l'on estime que ce soit pas légitime, effectivement, de réprimer lorsque les gens s'opposent, c'est une chose, mais de dire que c'est un génocide, c'en est une autre bien différente. Et là encore, la date 1978 est particulièrement importante. Même chose pour d'autres documents qui correspondent, encore une fois, aux analyses biaisées de l'accusation. Et là, je renvoie un document qui a été cité, document le RN en anglais 00-4-0-9-7-3-1-8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 
Elisabeth II. Dans la version française, je pense qu'il y a une difficulté parce que on traduit ce document comme si c'était une thèse. C'est une sorte de mémoire de Master 2, c'est un document qui a été élaboré par une étudiante et qui, en guise de conclusion qui n'a pas été bien évidemment citée par l'accusation. Les données n'en font pas moins apparaître quelques cas de différence de traitement dans les domaines de l'uniformité forcée, l'expulsion et l'extermination. Il y a une excuse entre guillemets. Rappelons que c'est une étudiante pour Master 2, je pense qu'il y a peut-être des notions juridiques qu'elle ne maîtrise pas, sachant que son rapport n'est pas un rapport évidemment en droit, mais un rapport dans le cadre de ses études de sociologie, si j'ai bien compris. Et elle dit, comme mentionné précédemment, 67%, et là c'est la version originale en anglais qui dit 67%, parce qu'en français nous avons 37%. Donc 67% des informateurs ne pensent pas que les Vietnamiens et les Khmer et été traités différemment dans leur village. Voilà, voilà ce que dit ce rapport d'étude d'une étudiante qui a été longuement citée par l'accusation. Et elle poursuit au paragraphe suivant. Bien qu'une majorité des informateurs ait nié l'existence d'une quelconque différence de traitement entre Khmer et Vietnamiens, l'étude des transcriptions des entretiens fait apparaître des signes de différence de traitement. Donc là encore, c'est l'interprétation de cette étudiante en sociologie qui apparaît, mais qu'on utilise cette étude particulièrement limitée, que ce soit géographiquement et que ce soit en nombre, puisque, encore une fois, c'est un échantillon de 48 personnes qui, majoritairement en plus, ne vont pas dans le sens de la thèse de l'accusation. Mais utiliser ce document pour arriver à conclure que nous avons la preuve qu'il y avait une politique nationale sur l'ensemble du Cambodge, une discrimination à l'égard des Vietnamiens, c'est quand même aller un peu loin. Un autre point, que je veux mentionner, et là c'est un rapport effectivement avec la question des experts, notamment des extraits qu'on peut lire du rapport des Vatabo, d'autres rapports avec des extraits sur des chiffres, etc. C'est très compliqué de parler de ces documents et de ces chiffres sans avoir la méthodologie de l'auteur, sans savoir quelles sont ses sources, quelle a été sa méthode de travail. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on ne peut voir qu'une portée limitée à l'exploitation des documents qu'on peut faire. Et là, je renvoie à ce que je disais en nous attendons la décision sur l'éventuelle comparution et que ça pourrait être utile je m'arrête là sur la question du traitement des Vietnamiens, simplement pour conclure, c'est une chose d'avoir une thèse et de pouvoir la conforter, c'en est une autre de lire les documents en question et de le regarder avec un œil neutre et un œil critique, et c'est ce que nous demandons bien évidemment à la Chambre de bien vouloir faire. J'en viens maintenant la question des du traitement des CHAM du traitement des SRK.
avec je vois que le temps est compté, je vais tout faire pour terminer à la pause déjeuner. Je veux quand même rappeler que sur la question des Cham, les éco-procureurs ont cité à pas moins de 15 reprises les difficultés qui ont été relevées par l'accusation sur comment savoir sur quoi les uns et les autres se basent. Pour le moment, c'est essentiellement du oui-dire. Qui sont les gens qui ont été interrogés? Comment les gens ont été sélectionnés? On n'a pas ça. Et là, je suis obligée de renvoyer à votre mémo /1/4/2012 nous parlions précisément de Ben Kiernan et de du fait que vous n'arriviez pas à le faire comparaître devant cette chambre. Le dernier paragraphe de ce mémo se lit comme suit. Conformément aux normes destinées à garantir l'équité du procès telle qu'établie à l'échelon international, l'incapacité dans laquelle se trouve la chambre de faire citer le professeur Kiernan implique que les conclusions du professeur Kiernan ne sauraient avoir que peu de valeur probante, voire aucune, dans les dossiers numéro 002, étant donné que leur auteur ne peut pas faire l'objet de votre interrogatoire. Fin de citation. Alors évidemment, je vais vous demander de vous rapporter à ce que vous aviez indiqué dans le cadre de votre décision de votre mémo de 2012, en disant qu'on a cité abondamment cet auteur, encore une fois sans avoir la possibilité de l'interroger sur ses sources. Alors bien sûr, il y a des discussions académiques, bien sûr, il y a peut-être des gens qui sont plus informés que d'autres, mais lorsque nous avons cité du côté de la défense un certain nombre de critiques, notamment de Henri Locard et de Steven Eder. Je rappelle quand même que et Locard et Eder, à un moment, étaient employés par ce tribunal, que Steve Eder critique la position et l'analyse et la manière dont sont analysés les éléments de preuve, les éléments qui ne sont pas encore de preuve au moment où Ben Kiernan les analyse, mais en tout cas, les témoignages, etc. Au moment où cette critique se porte, nous avons également un Steve Eder qui a parfaitement connaissance d'une majorité d'éléments dans le case file, puisqu'il a travaillé à la fois chez l'éco-procureur sur le même but, et à la fois avec les couches de l'instruction. Donc on ne peut pas lui faire ce reproche de ne pas savoir ce qu'il y a des documents qui sont à la disposition de la Chambre. Et on peut d'autant moins le faire que Steve Eder a beaucoup contribué à traduire un certain nombre de documents et que Ben Kiernan lui-même se fonde à plusieurs reprises dans le cadre de son ouvrage sur des traductions, sur des ouvrages de Steve Eder. Et de dire qu'effectivement, ça peut correspondre à des discussions académiques, mais les discussions académiques sont aussi, en tout cas pour le cas de Steve Eder et d'Henri Locard, fondées sur des enquêtes de terrain également, au même titre que peut-être Ben Kiernan et notre époque. Et si on veut parler de la distance ou de la distance entre le moment où les gens ont écrit certains articles et le moment où vous arrivez devant cette chambre et où il y a d'autres éléments de preuve qui reviendraient. Je rappelle quand même qu'il y a un grand nombre d'éléments de preuve qui correspondent à des éléments d'époque et des interprétations du PCK qui étaient à la disposition des différents auteurs. Et qu'en l'occurrence, c'est bien ça
la grosse difficulté sur les CHAM. Nous n'avons rien qui puisse, du côté de la politique du PCK, nous n'avons aucun document qui puisse dire qu'il y avait une volonté d'exterminer les CHAM de façon générale. Il y a eu des choses ou des moments de répression, et encore une fois, je rappelle, le document E3 de Ben Kernan, /1593, on a à différents endroits des éléments où il cite par exemple Kernan qui explique que les révoltes de Krochma étaient plutôt une répression qui était locale. On peut voir également sur la question des discussions de Lokar, Eder et autres académiques, on a par un document qui puisse étayer la thèse depuis une date, que ce soit avant 1975, 1979, disant qu'il y avait eu une volonté de la part du PCK et du sommet de vouloir exterminer les CHAM parce qu'ils étaient CHAM. La vraie question qui se pose, et c'est toute la difficulté de ce dossier, c'est encore une fois de se dire, est-ce que lorsque nous examinons des faits à certains endroits, est-ce que la question des responsabilités locales, de ce qui se passait localement, pose question ou pas? Nous avons effectivement entendu certains témoins devant cette chambre, mais remonter à l'échelon national pour dire c'était une directive du PCK, moment, c'est plus que sujet à discussion. Là encore, bien sûr, c'est vous qui examinerez l'ensemble des éléments de preuve. Je ne vais pas me lancer comme j'ai vu qu'il y avait une amorce de discussion, de plaidoirie déjà juridique sur le fond. Ce n'est pas le lieu dans le cadre de ces audiences de documenté. Je veux simplement rappeler quand même qu'effectivement, nous sommes des juristes, il y a des définitions en termes de génocide, et que pour le moment, moi, en droit, je ne connais pas de définition de génocide politique. C'est une discussion que nous aurons à un moment ou à un autre, mais ce n'est pas pour le moment ni le Un autre point qui est intéressant et là qui revient encore une fois à la question de ce qui se passe lorsque un auteur décide d'écrire non pas avec une vision juridique mais avec une vision de sociologue ou d'historien, avec ce qu'on appelle des thèses, on dit, c'est une expression communément admise en disant qu'il n'y a pas d'histoire mais il y a des historiens. Et un exemple intéressant par exemple, dans l'ouvrage de Ben Kernan, on a une mention de Matli, je retrouve la référence. Une mention de Matli en indiquant que dans son ouvrage, je vais retrouver la référence incessamment sous peu, disant que l'ordre de tuer les CHAM serait venu de Pol Pot. Or, nous avons au dossier sa déclaration devant des CECAM, et voilà ce qu'il dit au document E3 7 8 2 1 4 4 1 0 0 4 4 1 5 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
dans le cadre de l'ouvrage de Ben Kiernan. Cette fois-ci, c'est à la référence que je ne retrouve pas, je vais vous la retrouver. Je ne retrouve pas la référence, je reviendrai incessamment, si je peux, pour vous le dire. Un autre point, une autre différence qui est intéressante aussi, c'est lorsque Kiernan évoque Aing-Samrin à propos des soulèvements de Krochma. Et là, c'est son ouvrage, donc E3-1993, le Rennes en français 0-0-6-3-9-0-3-3, le Rennes en anglais 0-1-5-0-1-4-0. Et en Khmer, 0-0-6-3-7-7-3. Et voilà ce que écrit Ben Kiernan. Ben Kiernan, Aing-Samrin n'a aucun doute quant à lui sur le véritable responsable des événements. Il avait entendu Pol Pot proclamer l'abolition de la religion en mai 1975. Et lorsque l'on cite, lorsque l'on voit la note de bas de page qu'il utilise dans le cadre de cet extrait, voilà ce qu'on lit dans la note de bas de page. Entretien avec Aing-Samrin, 1991. Je n'avais pas reçu d'ordre direct de Pol Pot à ce sujet depuis la libération, mais ceux qui prenaient leurs ordres auprès de lui déclaraient Angkar Kangleu, l'organisation suprême, l'a dit. On passe de Angkar Kangleu, l'organisation suprême, l'a dit, sur les gens prenaient leurs ordres auprès de lui, j'en ai conclu ceci, à Aing-Samrin n'a aucun doute. Mais encore une fois, c'est peut-être des subtilités d'auteur, mais cela démontre que lorsque l'on lit le travail d'un historien et lorsqu'on lit des affirmations et qu'on veut les utiliser, il faut savoir sur quoi elles sont basées. Et sur quoi et comment elles sont interprétées. Et bien sûr, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il y a tant de discussions académiques. Des mêmes faits et des mêmes déclarations peuvent être interprétées de façon différente, de la même façon que devant cette chambre, vous avez des mêmes documents qui sont interprétés différemment de la part de l'accusation et de la part de la défense. Mais l'important est de remonter à la source et de voir ce qui a été dit exactement par les uns et les autres. Observation que je voulais faire par rapport aux éléments qui ont été présentés sur Etcham, c'est le mémoire de Madame Farine Asso, document E3-4519. Là encore, c'est la même observation que ce que je faisais tout à l'heure sur le mémoire, là encore, en français, la traduction est erronée, on ne parle pas de thèse, on ne traduit pas a priori comme thèse, c'est un mémoire dans le cadre d'un master également, donc là nous sommes loin d'avoir des auteurs qui sont confirmés et qui ont travaillé des années durant sur un même sujet. Nous sommes face à une étudiante qui a fait une compilation d'opinions et de documents liés à Aing-Samrin, notamment elle explique d'ailleurs en méthodologie qu'elle s'est beaucoup appuyée sur des sécames, l'entretien des sécames, beaucoup appuyée sur les travaux de Isa Osman, en faisant aussi une compilation d'autres auteurs. Donc nous sommes loin de pouvoir nous fonder sur les travaux de cette étudiante pour dire que nous avons des travaux de chercheurs confirmés qui nous permettent de fonder éventuellement une déclaration de culpabilité sur le fruit de son travail d'étude. Un dernier point que je voudrais aborder, c'est qu'il y a un certain nombre de documents, là encore une fois, ça revoit, on ne va pas refaire
le ce que vous avez entendu devant cette chambre. Que nous avons entendu sur les choses que vous examinerez dans le cadre de votre délibéré, que nous aurons examiné de façon plus approfondie dans le cadre des plaidoiries. Et en tout état de cause, la thèse de la défense, c'est toujours la même, c'est de dire qu'on n'a pas de volonté d'éliminer les tchams, parce qu'ils sont les tchams, en tout cas, au niveau d'une politique nationale, il y a certainement des répressions de personnes qu'on estimait comme étant des personnes qui se révoltaient ou s'opposaient au régime, mais certainement pas du fait de leur simple qualité d'être tcham. Ça, sur l'intention génocide, c'est comme un point important. Je passe maintenant à mes observations sur la question Je suis allé à la maison. Le fait de ne pas s'en prendre à un QVXRK serait soit faux, soit en tout cas limité pour refaire cette démonstration qui nous paraît beaucoup fondée sur des éléments que nous avons déjà examinés dans le cadre de l'évacuation de Phnom Penh, sur des faits qui sont discutés dans le procès 02 bar 1 et qui sont actuellement l'objet d'un appel pendant, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Je pense notamment au document E3/4/9/3/2019. Mais je pense qu'il est important dans le cadre de cette présentation de documents clés de dire que pour nous, pour la défense, il y a un non-sens à s'appuyer sur des documents hors-champ. Et là, je fais notamment référence au document 3/19/3. Si je ne soulignais pas ce que j'ai dit au départ de mon intervention ce matin, à savoir que nous avons toujours un problème avec l'exploitation des PV venant d'instructions qui ne sont pas les instructions dans le procès 02. Une autre observation sur certains documents également. Nous avons notamment un article, un article en français 005 9 7 4 2 et je ne malheureusement pas les références dans les autres langues, éventuellement je pourrais revenir vers vous à ce sujet.
où Yeng Sari n'évoque que deux hauts dirigeants qui auraient été exécutés, à savoir Lon Nol et Long Boret. Il ne parle absolument pas d'autres. Donc tiré de ces déclarations, la conclusion qu'il y avait de façon générale une politique nationale visant à éliminer les anciens de la République mère, c'est vraiment tiré beaucoup de choses de cette déclaration de Yeng Sari. Un autre point qui est important, parce que lors de cette interview, Yeng Sari aurait été également interrogé sur l'existence d'exécution de masse. Voilà ce qu'il répond. Lorsqu'il lui a été demandé de commenter les rapports concernant les exécutions massives de réfugiés rentrés au Cambodge après la victoire avec Mère Rouge, M. Sari a déclaré « La plupart de ceux qui ont quitté le pays ont commis des actes illégaux et par conséquent, leurs déclarations et leurs informations ne sont pas fiables. » Voilà comment s'exprimait Mère Sari à l'époque. C'était important de remettre les choses dans leur contexte. La Chambre a la réponse 32 de cette personne interrogée qui montre qu'elle ne sait pas exactement comment les choses se passent ni qui est qui, puisqu'elle dit à la réponse 32, et je cite en anglais, Tamok was Anka. Tamok was Anka. Et ça, c'est un élément important, parce que si on est en train de parler de ce que veut dire la politique nationale et quels sont les pouvoirs des zones, quels sont les réels pouvoirs des personnes au niveau de leur localité. Pour cette personne, en tout cas, lorsqu'elle répond, l'encart, ce n'est pas autre chose que Tamok. Et ça, c'est un élément qui est important lorsqu'on examine la déposition, et ça renvoie encore à la nécessité d'avoir des personnes qui viennent comparaître et qui peuvent répondre aux questions, puisque lorsqu'on lit ça dans une déclaration, on a bien sûr envie de savoir plus et de savoir d'où elle tire ses informations et quels sont les éléments qui lui permettent de dénoncer de telles choses. Et un autre point encore, puisqu'on a utilisé cette déclaration pour dire, et notamment la question et la réponse 30, pour dire qu'il y avait une politique à l'égard des anciens de l'RK et que des gens ont été exécutés. La dernière phrase qui n'a pas été citée par l'opposition à la réponse 30 est de dire oui, effectivement, ces personnes ont été envoyées à l'Ouest comme elle l'a dit. However, I do not know where they were sent. Voilà, donc là encore, des informations limitées dans le cadre d'une déclaration uniquement écrite, c'est très compliqué d'aller au-delà pour savoir quelles étaient les sources, quelles étaient les informations et comment on pouvait, ce qu'il est advenu de ces soldats qui auraient été envoyés à l'Ouest, en rappelant quand même que nous avons entendu devant cette chambre des gens qui expliquaient que certains anciens de la République mère ont été envoyés en rééducation. Communication qui aurait eu lieu de la part des services secrets américains avec notamment les fameux câbles qui auraient été entendus, pas entendus, ce qui aurait été entendu ou intercepté comme information de la part des services secrets américains. Je rappelle en élément de contexte que nous sommes toujours en pleine guerre froide, que les États-Unis ont perdu la guerre puisqu'ils soutenaient Lon Nol, et qu'évidemment à cette période, on peut quand même supputer qu'il y a aussi un travail de communication et de propagande qui est formé et qui constitue d'ailleurs une grosse partie de cette période, que ce soit d'un camp ou dans l'autre. Un autre point
qui a été cité. Et donc c'était un document qui visait à conforter quelque part après le 17 avril 2020 ou entre le 17 avril 2020, il y aurait une décision relative aux anciens de la République mère. Je tiens à attirer l'attention de la Chambre sur un autre passage de cette interview qui se trouve. Je n'ai malheureusement l'URL en français. Se trouve à l'URN en français 00 3 2 6 9 0. Et je vais citer très lentement en l'absence de l'URN dans les autres langues pour le moment. Et qui explique quels étaient les rapports de Pol Pot avec Sopim. Et voilà ce qu'il dit. C'était que même Pol Pot et Nguyen Chea, une fois arrivés à la zone de Sopim, ils avaient peur de lui également. J'y suis allé une fois avec eux, c'est pourquoi je savais. Même Pol Pot lui-même n'osait jamais aller là-bas par peur de Tapin. Ainsi, dans cette zone, Sopim pouvait faire ce qu'il voulait, même tuer, sans demander l'autorisation de la hiérarchie. Donc, c'était ça l'organisation. Ça veut dire que chaque zone était presque indépendante, ce qu'on pourrait appeler tuer comme on veut, faire ce qu'on veut. Fin de citation. Ce passage est important puisque dans le cadre de la thèse de la défense, et vous l'avez entendu à plusieurs reprises, la vraie question était de savoir est-ce que nous avons toujours eu un mouvement qui était consolidé, qui était extrêmement soudé, ou est-ce qu'il y avait des différences entre zones, est-ce qu'il y avait des différences selon les localités, et est-ce que finalement la fameuse entente criminelle n'est pas si facilement n'est pas si facilement avéré, tout simplement parce qu'il y avait ces tensions entre zones et qu'il n'y avait pas forcément, un contrôle absolu du centre tel que on veut toujours le présenter. Un autre point que je voulais aborder est un document E3/4-6-2-7 qui a été évoqué par l'accusation. Et dans ce document, il est important de rappeler que le témoin et au passage qui ont été cités par l'éco-procureur, que le témoin indique qu'en fait, lui-même n'avait assisté à aucune réunion du district. Donc là encore, c'est vrai qu'a priori, ce témoin est décédé, mais toujours rappeler que dans le cadre de déclarations écrites, les gens font des affirmations. Il est intéressant de lire l'intégralité de la déclaration et de voir quelles sont les sources d'informations. En l'occurrence, ce témoin a confirmé qu'il n'avait pas assisté à un district, donc il ne peut pas dire ce qui a été dit ou qui a ordonné quoi, à quel moment. C'est une réflexion que l'on peut faire également sur un document E3/9-19.3.1-2-5. En dehors des critiques déjà formulées sur ce document, j'attire l'attention de la Chambre sur la réponse 18 à ce témoin. La question qui lui est posée la suivante. Qui a ordonné à ces soldats de se présenter? Était-ce Chan ou quelqu'un d'autre? Et sa réponse est la suivante. Je ne sais pas qui prévenait cet ordre, mais je sais que c'était Chan qui l'a annoncé. Donc là encore, sur la question d'une éventuelle corroboration d'une politique nationale qui aurait été élaborée
par le PCK, le témoin peut simplement confirmer au niveau local d'un ordre transmis. Maintenant, sûr, vous venez cette ordre, est-ce que ça correspondait à des consignes qui avaient été données? Il ne peut pas nous éclairer là-dessus. Un autre... Je donne la référence qui me manquait sur le document E3-89 relatif à l'entretien de Steve Hader avec Yang Sarmi, le passage que je citais. C'est en anglais 00-4-6-4-6-2. Nous arrivons à la fin de la présentation des éléments. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de documents et de choses sur lesquelles nous reviendrons. Et notamment, je renvoie aux documents, par exemple, E3-832 ou des comptes rendus ou des choses par rapport à des statistiques de présence dans les centres de sécurité. Je pense que ce sont des éléments qui seront discutés plus pleinement et plus complètement dans le cadre du segment sur les centres de sécurité. Et en tout état de cause, je tenais à faire ces quelques observations sur les documents tels qu'ils ont été présentés par l'accusation. Et j'en termine avec la présentation d'aujourd'hui, Monsieur le Président. បាទអរគុណសំណាក់ការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់សម្រាប់ហើយអង្គការសហគមន៍ការត្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសំណាក់ការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសំណាក់ការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសំណាក់ការស្ដាប់នៅក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពផ្ទះសហគមន៍ដែលដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីមួយចំនួនបានអះអាងថាខ្លួនបានទទួលរងនៅក្នុងរបបកម្